Bah alors, vous dormez les gars, on n'entend plus rien. Voilà, on peut plus rejoindre. Et la concentration. Bon les gars, moi je prends un relator pour commencer. Bon, Jérôme, il est partant pour commencer. Alors, tu fais le départ comme tu le sens. Et t'essayes de tenir jusqu'à une minute, on va dire, parce que pour le stabiliser, si tu fais 30 secondes, tu vas rouler trop vite. Une minute quoi, 350? Je pense que au début, les premiers mètres, faut faire plus. Hein. Et puis après, quand tu passes en tête, 350, 400, quoi, comme tu veux, ouais. Tu verras comment ça tient. Je pense que 400, ça peut le faire au début. Qui c'est qui va en deuxième? Ben c'est moi là, naturellement, apparemment. Ok, très bien. Donc dans 10 secondes. Hey, je lâche. 3 secondes. Okay. Accélère bien, voilà. Ah, désolé Eric. Pas grave. Qui va après? Après Loïs? Okay. Denis, ok. J'irai après Denis. Allez hop. Ouais, c'est pas facile. Hein. Désolé, je suis déjà battu. Ouais, mais moi, Loïs, il m'a bloqué, en fait, il a plus tendu. J'y vais après Denis. Il est descendu, en fait. Tu t'écartes combien de temps, Denis? À 2 minutes 40. Ok. J'irai derrière Mathieu. On va faire à 2 minutes 30. Ouais, ok. Allez, je passe. Ok. À 3:30. Attention, t'es à 6 mètres. Allez, je m'écarte. Allez, je reste là. Donc, je vais après toi. Okay. Allez, c'est bien tout de suite.
pas à combien? À 14. Je prends le relais, je le reprends, tu reprends l'arrière. Allez, tu laisses passer. Ouais. Pas grand chose, mais. Et je prendrai le suivant. Ok. Je suis juste là. Ouais. Les instants, ça bloque quand je le relâche. Vas-y, Louis. Allez, Denis. Denis est parti devant. Ah non, c'est Jérôme. Allez, recollez bien derrière là parce qu'on est 4. Là, je relâche, je peux plus. Ok. Ah, même pas après ça. Je m'en fous. Bon bah, je continue, j'ai pris l'élan. Je te remets pas. Ouh la merde. Tu continues Denis là? Oui, 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 oui. Ok. Denis, je te prendrai la revers. Merci. 30. Ok. Allez. C'est qui après Nico? C'est moi, Jérôme. Ok. Loïs, tu vas après Jérôme? Ouais. Ok, donc j'essaye d'y aller après Loïs. On va essayer de. Tant qu'on peut, de garder l'ordre. Une seconde, Jérôme, c'est bon. Là, je me relève. Allez, c'est 30. Voilà. Bravo. Il a commencé à pédaler avant. Allez, j'y vais. Vas-y, Loïs. Jusqu'à combien? Continue si 8, tu veux. Là, vas-y, hein. Ok. Comme tu veux. Parce que c'était l'élan. Ouais. Je peux y aller, je peux y aller. J'y vais, j'y vais. Il y a Nicolas dans ma roue. Donc je vais y aller à 20, allez. Merde, je pars devant là, putain. Une inertie de dingue. Ouais, c'est ça. Allez, à moi. Ouais. Allez. Je suis derrière Mathieu. C'est bon. Allez, à 9, tu peux y aller.
Allez, je prends la roue. Ça dépend. Si ça perdure trop, des fois faut quand même pas passer à chaque fois qu'on a de l'élan, sinon. Avec ça. 10 secondes, 45. Quand on perd, on a l'impression que ça vous reprenne derrière. Oui, oui, mais tu peux te retrouver à passer deux relais de suite comme ça. Alors vas-y Nico, c'est pareil. C'est... Tu vas après toi. Alors, vous êtes bien groupés là. Attention, on arrive aux 8 km. Allez. On s'est à cliquer à droite. À 25, Tira, Jérôme. Vas-y. Allez. Allez, jusqu'à 11. Allez, j'essaie de prendre après Jérôme. Ah, ok. À droite, là, on clique. À droite. C'est bon, à droite pour moi. Jérôme, tu me dis. Encore 10 secondes. Donc, j'irai après Loïs. Allez, vas-y Loïs. Allez les gars, c'est bien. Tu t'écartes à combien Loïs? 30. Ok, ça marche. Go. Hey Loïs, ouais. C'est une descente, je me suis relevé. Bon, je reviens. C'est bon. À 45. Allez, ok. Vous êtes bien groupé là, c'est parfait. Allez, c'est bon, je prends. C'est après toi. Ok, je passe après. Si tu veux, Mathieu, toi moi. Tu dis quoi? Tu veux y aller, Loïs? Oh, vas-y, t'es devant, vas-y. J'y vais parce que en plus, t'as fait un effort pour boucher le trou. Allez, j'y vais.
jusqu'à 30, Mathieu. Ouais. Tu veux bon? T'inquiète, je continue. Allez, vas-y, Loïs, quand tu veux. Ouais. Je maintiens un peu pour. Ça passe derrière. Là. Ouais, j'ai vu, mais. J'y vais, j'y vais. Jusqu'à 15 j'y suis là. Ok. Allez, ben Denis. 45. Jérôme, tu vas là? J'y vais, j'arrive. Bon bah, j'y vais après, Loïs. Allez, je fais 17h30. Ok. Allez, jusqu'à 18. Flamme rouge, les gars. Allez, on fait tout là. Ah, on arrive trop nombreux. Allez, j'accélère. Allez, sauf qui peut là, jusqu'à la ligne. Ah!
Bravo les gars. Ah, j'ai augmenté ma fréquence cardiaque max. Je vais leur dire que 220 moins l'âge, ça marche pas. Faut être sûr que ça. Ouais, bah moi aussi j'ai eu ouais. J'ai eu plus de mal que la semaine dernière, et le niveau étant plus élevé, j'ai eu plus de mal à gérer ma position. J'en ai fait aussi des efforts inutiles, mais ça fait partie du challenge de ce genre d'épreuve. Je savais bien que j'allais pas faire long feu avec vous, avec les mobilettes. Hein. Ah ouais, près d'écart, Nico. Pardon. Quoi? On est à un watt près égalité, Nico. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un qui a calculé la moyenne, là? Ah non. Moi, j'étais à 306 sur la course, là, sur le Garmin. 336, mais en vitesse. Parce que ça donne un peu le calcul. En vitesse, 15,5. 20 minutes, Mathieu. 20 minutes, pour pas tout à fait. 19,50, ça? 19,50, ouais, je crois. 19,40 pour le premier. Combien? 19,45 pour le premier. 47 Mathieu même, je crois. 47,07, non? Non, il faut regarder. Bah de toute façon on est tous en même temps, mais il faut regarder le troisième. Yeah. Donc 19,48. Jérôme, ouais. 48, 7. 40. 87. 19,87. Et le circuit fait combien de distance? 60. Putain, j'ai du mal à compter là. 67. Bon, on verra ça plus tard. Bravo, ouais. Désolé, j'ai pas tenu la fin. Tant mais. Eh ben, la FTP a pris 7. Combien? Non, 9 points. Tiens, je vais regarder l'enregistrement. T'as un 8-4 de moyenne, je trouve. Ah oui, ouais, c'est possible. 16 km en 19,50, c'est marqué. Ouais. C'est bien, hein. 3 minutes, c'est bien, hein. C'est pas mal. Hein. Je vais envoyer une petite photo au DS. Bon, ce niveau. Excusez-moi. Bon, ouais. En fait, le groupe costaud, vous êtes là, hein. Ils ont juste un sixième à votre niveau. Ouais, et sinon, c'est bien homogène. Hein, moi, j'étais. À la fin, j'étais. Même dans les roues, j'étais au-dessus de mon seuil. Mathieu, si j'ai bien vu, 347 watts, c'est ça? Ouais. Faut mieux faire. Ouais. Non, non. Non, non, c'est beaucoup ça. C'est ouais. Chaque petite accélération, faut relancer le poids aussi. Hein. Oui. C'est vrai que cette inertie, on a beau savoir qu'elle est là, c'est dur à appréhender. C'est vrai que tes conseils d'avant-course, là, de relâcher seulement 2-3 secondes et de réanticiper. Ouais. Ça aide à pas laisser trop gros trous quand même. Ouais. Ça y fait beaucoup. Ouais. Et moi j'ai quand même réussi à me faire avoir
à relancer en voyant l'impression que ça suffisait pas, ma réaccélération. Et après, je dépassais. Oh là là. C'est dur. Ça m'a fait deux fois au début de... Alors, en fait, le piège, c'est de laisser partir. Et en même temps, tu prends le risque de laisser partir. Et si tu réaccélères trop fort, tu reviens trop vite et tu dépasses. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Alors après, c'est sûr que c'est pire de laisser partir. Donc, Ouais. Que de fournir l'effort. Hein. Ouais. Alors, si dépasser, ça fait que de perturber psychologiquement celui qui est en tête. C'est pas trop grave. Par contre, si ça vient de lui faire un petit coup de frein, là, c'est plus emmerdant. On se retrouve en freeride pour récup. Je vous laisse parce que ma femme n'est pas là, j'ai les enfants à m'occuper. Donc, Okay. Je vous laisse. Merci beaucoup, les gars. Merci à Merci toi. Merci, bravo. Salut, Nico, à bientôt. À jeudi, ouais. Salut. Moi, je me suis mis avec le Pacer dans l'Emerald. Pareil, je trouvais que c'était l'allure la plus adaptée à ma récup. Donc, Une fois qu'on a rejoint. Alors, si tu as déjà rejoint, tu peux te téléporter soit sur nous, soit sur le Pacer Eddy Emerald. Et c'est quoi le raccourci pour me téléporter, pour revenir rejoindre Donc, pour ça, en bas, sur les boutons d'action au milieu, tu as la double tête, là, le double bonhomme. C'est là-dessus que tu auras la liste. Voilà, ça y est, ok. Ouais. Donc, là-dedans, tu vois ceux que tu suis, qui sont déjà dans le monde freeride, et les Pacers. Tu vois. Yes, alors, c'est bon. Pour Denis Voirol, il a rejoint en mode pacing. Donc, ça écrit pacing à côté de son nom. Et Loïs, tu as rejoint en mode freeride. Et du coup, ça écrit freeriding à côté de ton nom. Ouais. Ça, je pensais que ça faisait toujours freeride pour les humains. En fait, non. Ah, bien joué, Loïs. T'as dû bouger beaucoup de pros. C'était le piège à laisser en libre quelques secondes et pas remettre un assez gros coup. Je pense qu'en fait, il faut que j'arrive à surtout que à trouver le bon. Et le pire, c'était dans la descente. Il y a une seule long faux plat descendant le milieu de course. Ouais. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est le même profil que là on a là. Donc on revoit la même chose. Et moi, j'étais en tête à ce moment-là. Et comme je suis lourd et plus puissant, je mettais, j'accélérais en plus. Donc pile au moment où toi t'as pris une petite cassure, donc au moment où je me suis dit je me relève plus tôt que prévu parce que c'était risqué de ne pas pouvoir rentrer si c'était trop long. Ouais. Sinon il a réussi à bien rentrer à chaque fois quand même. Hein. Ouais, c'est sûr que ça laisse un peu des... Un peu de force. C'est haut. Ouais, voilà. Ouais, et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que des fois quand on gère mal et que avec l'élan on redouble la tête alors qu'on voulait pas, c'est tentant de dire vas-y, sauf que ça dérègle quand même un peu et si on a passé notre relais peu de temps avant, ça peut nous mettre dans le rouge. Et du coup, je dirais que faut pas s'en occuper, celui qui était en train de passer son relais, il garde son allure et l'autre petit à petit, il va repasser derrière. Bon, sauf si vraiment il était en fin de relais et que à 3 secondes près, il vaut mieux qu'il bénéficie de l'élan. Mais des fois, faut pas tout désorganiser, je pense. Sans le vouloir et que tu arrêtes de me ralentir, est-ce que tu n'as pas tendance à freiner un peu le truc derrière? S'il y a la place, qu'il n'est pas pris en sandwich entre deux et que la différence de watts elle est importante, normalement ça ne doit pas gêner. Mais il y a un moment où je me suis retrouvé un peu en sandwich et j'ai l'impression que c'était plus dur de passer là. Ouais, parce que du coup ça passe.